Aujourd'hui, les freins à une plus grande mixité dans le secteur de l'artisanat ont été donc identifiés bien souvent par des freins issus de la formation. Car aujourd'hui, encore beaucoup de métiers sont stéréotypés, donc en genre, masculin, féminin. Et beaucoup de jeunes donc, ne vont pas dans des métiers qui sont... Beaucoup de jeunes filles, par exemple, ne vont pas dans des métiers qui sont plutôt orientés masculins. Après, on s'est rendu compte qu'à l'issue de la formation, donc une première formation, bien souvent, plutôt niveau post-bac pour les jeunes filles, il y a une réorientation vers des métiers qui auraient pu, à l'origine, les rebooter parce qu'elles pensaient que c'était des métiers masculins. Donc une réorientation, on passe un diplôme, un CAP, un diplôme certifiant, ou plus tard, on se réoriente, mais quand on a 35-40 ans, on se réoriente, on passe une certification professionnelle pour rejoindre des métiers qui sont aujourd'hui plus ouverts aux femmes.